L'autre jour, j'ai regardé la deuxième saison d'Olive Tree, dont j'ai gardé un peu de distance après la polémique de Seda Bakan Tugba Buyukustun sur la question de savoir s'il le savait ou non. Permettez-moi de dire la dernière chose que je dirai en premier, j'ai davantage aimé la deuxième saison. La raison pour laquelle je l'ai aimé, c'est parce que cela me semblait plus réel. Qu'est-ce que la réalité, c'est-à-dire les émotions, les expériences, l'expression? Plus précisément, en tant que personne qui n'a pas de famille, ne croit pas à de telles choses, ne s'intéresse pas et reste à l'écart, j'ai capté des moments que j'ai vécus dans certaines scènes de la série. Et sur la base de ce sentiment, je me suis demandé pourquoi cela n'arrivait pas. J'ai réalisé où je pensais faire des erreurs. Mon sujet de prédilection dans l'Olivier est de regarder les hommes qui aiment vraiment. Par exemple, l'amour d'un patient atteint d'un cancer et la présence d'un homme dans la vie de Fico qu'il aime vraiment et se sent possessif à son égard. Comme vous le savez, lorsqu'une femme tombe malade, l'homme s'enfuit. C'est un fait que nous avons constaté le plus fréquemment, surtout ces dernières années. Mais voir et observer l'homme qui est avec la femme que j'aime en toutes circonstances m'a redonné de l'espoir. C'est pourquoi j'aime tant les deux saisons de l'Olivier. Parce qu'il couvre spécifiquement ce sujet. Pour cette raison, l'Olivier est la seule chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est que dans les moments difficiles, résolvez la cause de la douleur et des sentiments, même s'il est tard, ne vous inquiétez pas et passez à autre chose. Tôt ou tard, la beauté vous trouvera au bout de ce chemin. N'oubliez pas que si vous êtes coincé, vous resterez coincé.